toutes et à tous et bon vendredi. Un vendredi qui commence un petit peu agité. Il y a du vent, il y a de la pluie, il y a un ciel gris, il y a de la température douce avec 12 degrés. Une température de l'eau à 14 degrés, une marée qui est en train de descendre. Le plein bas est à 13h40 avec des coefficients de 94. Sur ce début du descendant, le vent est un short ouest à ouest sud-ouest, 5 à 6 beaufort, soutenu à fort. Plan d'eau en vrac, mer forte. Une houle longue de 10 secondes de période orientée ouest à nord-ouest à ouest qui n'est pas du tout rangée ce matin. Bien désordonné, bien en vrac à la hausse, déferlement régulier à 2,50 sur les séries de 83 mètres. C'est gros, c'est en vrac, c'est pourri, c'est pas surfable, à part si vous êtes vraiment ultra motivé. Mais à mon avis, ça va être très compliqué de passer la barre. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va grossir. Il y a une bonne poussée de houle en cours sur la boue Arcachon pour aujourd'hui. Elle est passée de 4,50 m et 8 secondes à minuit à 6 m et 9 secondes maintenant. Et ça va être encore plus costaud en fin de journée et dans la nuit de vendredi à samedi. Il devrait rester des restes samedi matin parce que les bouées du large Brest-Irlande sont encore à la hausse et solides. Irlande avec 8 mètres et 11 secondes. Brest avec 7 mètres et 9 secondes et encore donc sur une tendance à la hausse. Donc à 13h, nous serons dans du 3 à 4 mètres. Houle ouest-nord-ouest à ouest qui s'allonge en secondes de période en ouest, 5 à 6 beaufort et à 17h, 4 mètres. Houle ouest-nord-ouest à ouest qui s'allonge 13 secondes de période en ouest-sud-ouest, 5 beaufort. Bref, vous êtes tranquille pour la journée. Vous pouvez trouver une autre activité. À part regarder l'océan déchaîné, je referai un point à 11h30. Mais là, le surf et la glisse, il n'y en aura pas aujourd'hui. Prochain point, 11h30. Et encore merci aux abris prodigués par l'école de surf Tango Frio et Surf City. Merci.